entreprises de produire des solutions et services dans le but de pouvoir adresser des services de qualité aux populations. Pour ma part, ça fait 20 ans que, plus de 20 ans d'ailleurs, que nous évoluons dans ce secteur, mais ça fait plus de 20 ans également que nous commettons toujours les mêmes choses. Nous pensons généralement qu'il faut plus d'infrastructures. Oui, il faut plus d'infrastructures. Nous pensons qu'il faut, surtout pour les pays africains, des pays comme le Mali, qu'il faut former les populations qui sont, entre guillemets, analphabètes pour pouvoir leur adresser des solutions de qualité. Mais au contraire, la COVID-19 est venue nous montrer que non, que on n'a pas besoin d'abord d'accentuer les efforts et la créativité sur, comment on appelle, les infrastructures, la formation et la confiance numérique, non. Parce que, prenons juste quelques exemples. Lors de l'apparition du mobile money, en tout cas au Mali, le mobile money est venu et a pris en compte l'ensemble des besoins des populations, plus les besoins des populations que les banques classiques ne le faisaient. Donc, le mobile money est venu s'imposer. Et pourtant, il n'y a pas eu de confiance numérique, il n'y a pas eu de machin, simplement parce qu'on a adressé un service de qualité aux populations et tout le monde a épousé ce concept-là. Lorsqu'on regarde aujourd'hui WhatsApp, TikTok, les gens, ils ne sont pas formés pour utiliser Facebook, pour utiliser ces trucs, mais vous allez dans n'importe quelle famille, vous trouverez qu'il y a des gens qui utilisent ces outils-là, mais qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent même pas écrire leur nom. Et pourtant, ils savent utiliser ces outils-là. Donc, ce qui voudrait dire qu'il est temps que les entreprises, que les services publics réfléchissent à des solutions qui vont adresser aux populations, qui vont prendre en compte leurs besoins. Lorsque on adresse des solutions pertinentes et de façon smart, qui prennent en compte les besoins des populations, on garantira plus la vulgarisation des outils du numérique et on sera à même de pouvoir leur apporter le maximum de services publics. Et aussi de services des entreprises, des produits et solutions que les entreprises mettent à leur disposition. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit aussi au niveau du domaine social. Et surtout, parce que nous regardons, nous, dans notre pays, parce que nous revenons toujours dessus, on dit chaque fois l'Afrique, surtout, c'est le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, si nous prenons cette vision d'antan qui nous a toujours été inculquée, que les valeurs de l'humanité tout entière elles sont parties de l'Afrique, aujourd'hui, quels sont les outils que nous mettons à la disposition de nos enfants, de nos populations, pour que toutes ces valeurs-là qui ont existé dans le temps et qui sont en train de disparaître aujourd'hui, nous pouvons les pérenniser et les rendre accessibles au maximum des populations du monde. Parce que Dieu seul sait qu'il y a énormément de choses profitables, non seulement pour l'Afrique, mais pour tout le reste du monde aujourd'hui, en termes de culture, en termes de valeurs et surtout simplement en termes d'humanité. Et cela, ce sont des choses possibles grâce au numérique. Voilà, en gros, je pourrais revenir dans le détail pour pouvoir accentuer un certain nombre de choses. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Guillaume Manlan, est-ce que vous voulez partager justement vous aussi votre retour d'expérience sur les enseignements tirés sur ce qui fonctionne et ce qui a moins bien fonctionné aussi durant justement cette accélération de la digitalisation pendant la crise pandémique? Cathy, je pense que M. Guillaume n'est pas avec nous sur la ligne. C'est ce que je suis en train de... donc Adnan, peut-être peux-tu nous faire un retour d'expérience sur justement ce que vous avez pu constater sur ce qui fonctionne et ce qui a fonctionné moins bien pendant la crise pandémique.
Très bien. Merci beaucoup, Cathy. Merci à Africa Digital Expo pour cette invitation. Et je suis vraiment très ravi d'être avec mes chers collègues dans ce panel. C'est un panel très riche qui représente un petit peu l'écosystème. Et d'ailleurs, justement, c'est par là où je voudrais commencer, par le mot écosystème. Parce que la digitalisation des services publics, l'objectif, c'est de fournir des services aux citoyens qui sont faits au niveau du gouvernement à travers, bien sûr, des partenaires technologiques, que ce soit en termes d'infrastructure ou de couches applicatives, etc. Donc, c'est un travail collaboratif. Il faut que l'écosystème soit propice à cette transformation. Je pense que Mme Ouellet a parlé tout à l'heure de transformation digitale qui concerne la partie économique, mais pas seulement. Et il faudra que les services gouvernementaux suivent aussi cette mouvance et cette tendance générale. Alors, si je reviens un petit peu sur la crise Covid, je pense qu'on a parlé pas mal de fois, la technologie était la solution, était la réponse à ces problématiques-là. On l'a vu sur tous les secteurs, que ce soit en télétravail, en télémédecine, en télééducation, en communication tout court, pour assurer la distanciation sociale, etc. Maintenant, je parlerai de services IGAV de façon générale. En fait, la technologie, ou le digital, c'est un outil qui est utilisé dans tous les secteurs, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'économie, mais aussi c'est un outil qui permet au gouvernement d'être plus efficace pour gérer le pays de façon générale, pour fournir des services aux citoyens, d'accord ? Parce que la technologie, elle permet de faire abstraction aux distances, elle peut faire abstraction au temps, elle permet de fournir des informations à tout temps et à tout lieu aux citoyens, ce qui vraiment simplifie énormément la vie et peut dynamiser un petit peu ou accélérer donc, certaines tâches. D'accord. Donc, du coup, cet outil-là, il est très important et je pense que la tendance, elle est claire. Dans tous les pays du monde, on est en train d'y aller. Maintenant, le problème, c'est le rythme. Avec quel rythme on est en train d'y aller? Le rythme va dépendre de plusieurs facteurs, de plusieurs prérequis. On parle toujours d'infrastructure. Oui, c'est un des prérequis. L'infrastructure, on ne peut pas parler de digital sans infrastructure. Et l'infrastructure, il y a deux volets. Il y a la connectivité, mais il y a aussi l'aspect centre de données et cloud, parce que lorsqu'on veut gérer nos citoyens qui sont dans le monde physique et les gérer de façon virtuelle, si j'ose dire, ben, il faudra transposer toutes ces informations-là qu'on connaît, tous les papiers dont ils disposent dans le monde physique, il faudra les transposer en informations digitalisées sur des supports fiables, etc. Donc, on parle dans ce cas-là de data center, d'identifiants uniques, etc., pour pouvoir commencer à proposer des services digitaux gouvernementaux. Donc, l'infrastructure, c'est un prérequis. Mais il y a quelque chose de très important aussi qui a été mentionné tout à l'heure, c'est que cette infrastructure doit être aussi équitable parce que le rythme avec lequel on va digitaliser les services gouvernementaux ne doit pas être aussi un outil qui va sacrifier une partie de la population parce qu'elle n'a pas accès à cette infrastructure ou à cette connectivité-là ou par manque de savoir, comme l'a dit M. Ahmed tout à l'heure, par manque d'usage. Et je rejoins M. Ahmed dans ce qu'il a dit, c'est que l'usage maintenant de l'outil digital n'est pas vraiment compliqué. Les gens, lorsqu'ils veulent s'y mettre, eh ben, ils vont s'y mettre. Et c'est là où je viendrai à un autre prérequis qui est vraiment très important parce que le plus grand frein de la transformation digitale et de la digitalisation des services publics, c'est les mentalités. C'est un blocage au niveau des mentalités. Excusez-moi, je vais parler de façon très transparente, très cash. Ce n'est pas du tout des problèmes techniques ou des problèmes d'accès au financement. Oui, il y en a de ça, mais le plus gros problème, c'est des problèmes de résistance au changement, des problèmes de mentalité et aussi ces services publics ou tous ces services qui sont basés sur le digital sont à l'encontre de tout ce qui est abus de façon générale. Donc, je parlerai de ça, soit dans l'économie privée ou dans les services publics. Donc, du coup, cette résistance au changement au niveau des mentalités, il y a une seule chose qui pourra l'éviter, c'est un modèle de gouvernance et une priorisation à très haut niveau. Il faudra que cette transformation digitale au niveau des gouvernements soit une priorité au plus haut niveau de l'État.
on ne peut pas la sous-traiter et dire, voilà, vous avez la tâche de fournir des services digitaux. Non, ça ne marche pas. On l'a vu dans plusieurs pays, même avec des organismes assez puissants au sein de l'État, le rythme n'est pas aussi soutenu qu'on le veuille. Mais par contre, dans d'autres pays, même en Afrique, lorsqu'on a vu que le sponsoring il vient du sommet de l'État avec un follow-up clair et un coup de pouce clair, les choses avancent plus rapidement et les choses s'implémentent plus rapidement. Et même, il y a des tabous qu'on pensait qu'ils étaient des obstacles avant, ils ne le sont plus. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu l'aperçu, à mon sens, bien sûr, donc de ce sujet-là donc pour la transformation digitale. Après, si vous permettrez, je parlerai un petit peu plus dans mon domaine, technologiquement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être avec des milestones un petit peu plus clairs. Mais conceptuellement parlant, à mon sens, la transformation digitale, c'est inévitable. Le digital, c'est un outil qui nous permet d'être plus efficace. Tous les pays maintenant, ils sont dans une course pour la croissance économique. Eh ben, si on parle de croissance, on parle de rapidité et d'efficacité. Et il n'y a pas d'autre réponse que le digital pour le faire. Merci beaucoup. Alors justement, Monsieur Innocent Nizeimana, on parle d'une volonté au plus haut niveau pour la mise en œuvre de la digitalisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, que vous avez senti un changement aussi de cette implication pendant la période pandémique? Est-ce que finalement, il a été plus facile de développer et d'adapter les offres de digitalisation? Quel est un peu votre retour d'expérience de ce point de vue-là? Merci Cathy. Je salue d'abord cette initiative de Africa Digital Expo. Je salue également tous les panélistes et vous remercie de nous avoir associé le Sénégal et Sénégal numérique en particulier ce débat. Exactement, la décision à plus haut niveau est très nécessaire dans la transformation digitale. Comme mes collègues ont dit, on parle de post-COVID, mais on se demande toujours si vraiment COVID est toujours là ou pas. Mais en quelque sorte, ce qui s'est passé au courant de la pandémie, là où les pics étaient encore exorbitants, c'est que les solutions qui ont été proposées misaient beaucoup plus sur le travail à distance. Le travail à distance. Tout ça pourquoi? Parce que la problématique de l'emploi, c'est vraiment une problématique qui est partout dans les pays africains. Aujourd'hui, nous savons très bien, à travers les différents rapports, par exemple de l'OIT, qui avait prévu la chute de l'emploi, par exemple, à des taux vraiment très remarqués, surtout chez les jeunes et les femmes, et que 200 millions de populations allaient perdre leurs emplois, conséquemment justement à la pandémie. Et là, toutes les solutions en fait qui devraient être proposées devraient orienter vers justement la relance de l'emploi, des femmes surtout et des jeunes. Et les décisions à plus haut niveau sont nécessaires. Pourquoi? Parce que les décisions au niveau de l'État d'utiliser ou pas les technologies, bien évidemment, doivent s'adosser à un changement en quelque sorte de la législation. C'est-à-dire qu'il faut revoir quelques clauses de textes qui sont utilisées pour pouvoir adapter ces technologies au service public. Et là, bien évidemment, c'est à plus haut niveau que ça doit se décider. Ensuite, le fait de privilégier le partenariat public-privé, ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour relancer en tout cas l'économie nationale en matière de digitalisation. Les entreprises privées jouent un rôle important, non seulement en fournissant les solutions
mais aussi en apportant en fait une innovation qui ne pourrait pas sortir de l'administration. Donc, et cette décision justement de privilégier, de privilégier le partenariat public-privé ne peut pas venir justement des décideurs de n'importe quel niveau. Il faut que ce soit décidé à plus haut niveau. Donc, en tout cas, moi, j'axerai plutôt mon intervention sur cet aspect d'emploi qui doit être considéré à plusieurs niveaux. Beaucoup d'États africains, hein, y compris le Sénégal, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées. Notamment au Sénégal, nous avons la délégation rapide à l'emploi des jeunes et des femmes. Et il y a beaucoup de programmes qui met en œuvre, notamment le programme d'appui aux startups qui évolue dans le domaine des technologies qu'on est en train de conduire aujourd'hui. Et ça permet en fait d'aider aussi les startups à mettre à la disposition des administrations les solutions qui vont bien évidemment accélérer justement cette relance économique. Donc, de leur côté, ils ont de l'emploi et aussi les solutions qu'ils développent, ça donne aussi à d'autres jeunes de l'emploi parce que un commerçant qui était là avec ses productions, plutôt ses marchandises ou bien les petits producteurs qui sont là avec leur production, qui ne peut pas les écouler, quand une start-up développe une solution et que l'État essaie de l'accompagner pour son utilisation, bien évidemment, tout le monde trouve en fait son compte. Et voilà en fait ce que je voudrais dire, tout en revenant sur ce focus vraiment de l'emploi qu'il faut considérer dans cette relance des économies africaines. Et bien évidemment, ça doit se décider à plus haut niveau pour que vraiment les politiques soient exécutées à différents niveaux de l'administration. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Mamadi Keïta, vous aussi, le même constat sur la nécessité d'implication des autorités au plus haut niveau et une priorisation de l'emploi ou au contraire, peut-être des adaptations plus spécifiques au terrain local en Guinée-Conakry. Bonjour Rosalie et bonjour à tout le monde, bonjour à toutes. Il faut tout d'abord vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet combien de fois encore passionnant. Ce qu'il faut retenir, je voulais rebondir hein, par reprise de volée par la suite de l'intervention de M. Adnan, qui disait tantôt que l'objectif principal c'est comment traiter de façon rapide les services au niveau public et au niveau de l'administration centrale ou décentralisée. Aujourd'hui, nul n'ignore que le monde a été frappé de plein fouet par le COVID. Les gens étaient obligés d'utiliser les masques. C'était très difficile pour qu'on cherche qui est beau ou qui ne l'est pas. Ou on pouvait même rencontrer quelqu'un dans la rue sans pouvoir le connaître par les masques. On est arrivé à imposer également les règles de distanciation entre les gens. La technologie est venue nous montrer qu'elle devient et demeure la force, non seulement pendant la période de la crise, mais après la période de la crise, la technologie reste et demeurera la force d'aujourd'hui et de demain. Celle dont nous parlons aujourd'hui, c'est en réalité c'est le numérique. Qui n'a pas fini au jour d'aujourd'hui encore de découvrir aux êtres humains les énigmes et les secrets qu'il détient. Pour cette raison, je voudrais dire qu'on est en train de se parler. Aucun d'entre nous n'utilise un masque. La technologie est venue enlever cette barrière-là. La distanciation entre les êtres humains pour essayer de rendre service l'un par rapport à l'autre, la technologie est venue barrer cette distance-là, tout simplement en introduisant les services finance et numérique au niveau global, au niveau international. Vous avez dû constater que les gens sont parvenus à réguler leurs factures d'électricité, de télévision ou faire des paiements entre les banques
interagir avec les banques sans pouvoir se déplacer. En le faisant, c'est qu'on est arrivé tout simplement à transformer un service traditionnel en un service numérique et en un temps record. Et pourquoi on va insister au fait à interpeller les personnes replacées, disons nos gouvernants? Il s'agit en effet de porter le message de l'appréhension de la force numérique. Il arrive que le plus souvent, les gens ne sont pas bien formés. Il arrive le plus souvent que d'autres ont envie, mais ils n'ont pas la possibilité d'accéder à cette compétence du numérique. Le forum que vous êtes en train d'organiser, il faut le dire, il faut reconnaître, c'est l'une des manières de vulgariser également la connaissance au niveau numérique. La réalité des choses, c'est qu'on n'est pas en train de faire la prophétisation de l'informatique ou de la technologie ou de la force numérique, mais en réalité, il s'agit de faire en sorte que l'on puisse capter l'attention des gens et les amener vers une trajectoire technologique qui peut amener les gens à une incidence technologique. Une incidence technologique voudrait dire quoi? Ceux qui ont la technologie en main mettent la technologie à la disposition des couches les plus vulnérables pour qu'on puisse les rendre les services, pour qu'on puisse rapprocher les citoyens, disons les gouvernés, vers le gouvernement. C'est ça l'objectif principal. Maintenant qu'à cela ne tienne, il faut que les autorités comprennent et qu'ils s'impliquent à l'émancipation et à la facilitation de la gouvernance électronique. Aujourd'hui, vous le savez d'autant plus que moi, lorsque vous passez votre test COVID en présentiel, vous recevez les résultats sur un téléphone portable. Aujourd'hui, en Guinée, vous pouvez prendre aujourd'hui, par exemple, les fonctionnaires qui sont au nombre de 128 000 personnes pratiquement. Avant, si les bulletins étaient livrés sous forme de papier, aujourd'hui, ces bulletins sont numériques. Donc, on a la possibilité de transcender, de transférer facilement un service traditionnel en un service numérique tout en atteignant la cible. La question reste et demeure fondamentale. Il faut pouvoir les catégoriser en trois. Il y a le côté infrastructure, il y a le côté service, mais il y a aussi, c'est-à-dire le côté service va parler tout simplement des contenus et il y a l'aspect juridique et réglementaire. Donc, en tenant compte de ces trois aspects, le côté infrastructure, le côté service orienté vers le social et le côté réglementaire et juridique permettent de circonscrire aujourd'hui, si vous voulez, l'accélération ou l'émancipation ou de faire croître de façon extraordinaire les différentes opportunités que nous offre aujourd'hui le numérique. Sans monopoliser la parole pour longtemps, je pense que je peux arrêter là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Donc justement, vous me permettez d'introduire ma question suivante. C'est si on effectue une analyse comparative des stratégies adoptées sur le continent africain, est-ce que vous avez déjà les uns et les autres identifié justement des stratégies ou des aspects des stratégies qui ont démontré leur efficacité? Vous parlez donc de trois piliers, hein, le développement de l'infrastructure, le développement des services orientés social et le développement et l'adaptation du cadre réglementaire et juridique. En pratique, quelle serait l'illustration, par exemple, dans un pays ou sur une stratégie où on pourrait se dire, ben, finalement, là, c'est un précédent, on voit que ça a fonctionné et ça a justement fonctionné parce qu'on avait ces trois piliers qui étaient alignés à un moment donné et qui ont permis de digitaliser. Sachant qu'on a tous bien conscience qu'effectivement, ce sont des plans de grande ampleur et qu'on ne peut maîtriser que ce que l'on arrive à déterminer dans un périmètre contraint. Donc évidemment, là, ce qu'on essaye de voir ensemble, c'est une illustration de cas d'usage, justement, qui a démontré son efficacité. Je vais commencer à parler tout simplement d'abord de mon pays, parce qu'on connaît mieux chez soi que chez les autres.
Bon, pour le cas guinéen, il faut retenir que pratiquement, nous avons un atterrissage de câbles à fibre optique sous-marin qui fournit l'Internet à concurrence de 248 gigas comme bande passante et qui est secondé par le déploiement d'un backbone au niveau régional et au niveau national de pratiquement de 4500 km. Ce backbone a pour objectif de décerner ou de fournir l'accessibilité à l'accès Internet, parce que tout ce dont on est en train de parler, si nous n'avons pas l'accès Internet, on n'a pas en réalité des services de gouvernance, sauf étant peut-être des simples services désarticulés en des petits morceaux de réseau au niveau entreprise ou au niveau départemental. L'objectif, c'est que celui qui se trouve dans la capitale et que celui qui se trouve sur le dernier kilomètre soit desservé par le même service. Donc, par conséquent, le gouvernement guinéen a pu déployer 4500 km de fibre optique sur toute l'étendue du territoire, permettant ainsi non seulement d'alimenter les 7 régions administratives du pays, mais aussi 76 sous-préfectures à l'intérieur du pays. Au-delà de ça, il y a, faut pas que l'on oublie, les MNO, les opérateurs téléphoniques qui sont sur place, qui ont déployé la 2G, la 3G. Nous savons que la 3G est venue avec le streaming, la possibilité d'interagir et de faire la vidéo, de regarder en ligne des films ou bien des conférences que nous sommes en train de tenir avec les débits très conséquents à concurrence de 333 mégabits parfois et en norme A et en norme B. Et aujourd'hui, vous avez aussi la 4G qui se trouve dans certains pays africains et d'autres sont en train de déployer la 5G. Toutes ces technologies viennent avec des services en upload. Donc, il faut tenir compte de ce déploiement de cette infrastructure. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, le gouvernement a pratiquement 36 départements ministériels qui sont interconnectés pour éviter d'avoir une désarticulation au niveau départemental. Donc, en regroupant et en partageant le service de la connectivité entre les différentes entités de l'administration, on réduit considérablement la consommation de la bande passante et le coût inhérent à cette bande passante. Et l'État est arrivé encore en plus à déployer ce qu'on appelle les points d'échange Internet, les XP, les AXP. C'est les points d'échange Internet qui vous permettent de transformer un trafic international en un trafic local. Donc, l'objectif d'avoir un point d'échange Internet secondé par un autre, c'est tout simplement pour pouvoir créer de la réplication au cas où l'un des points d'échange Internet arrivait à tomber en panne. Je pense que la Côte d'Ivoire doit aussi avoir un point d'échange Internet. Le Niger, le Maroc en a plusieurs, la Tunisie, etc. Donc, tout ça, c'est pour juguler le trafic au niveau international. Maintenant, par rapport à la production, je parlais entre-temps des infrastructures. Il y en a assez, hein, je ne pourrais pas tout citer parce qu'on est limité dans le temps. Par rapport au contenu, à la production des contenus, ce qu'il y a lieu de savoir aujourd'hui qu'il faut retenir, et je le disais tantôt que tous les fonctionnaires ont la possibilité de recevoir leur bulletin de salaire de façon numérique. Et lorsque vous partez aujourd'hui pour faire un test COVID, vous avez la possibilité de recevoir systématiquement la réponse suivant, vous avez la possibilité de régler vos factures d'électricité, les factures de l'école, des téléphones et tout ça en ligne. Cela est arrivé, disons, à réduire considérablement le déplacement des gens et non seulement à faciliter les tâches quotidiennes, mais à gagner considérablement en temps. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que lorsqu'on met du numérique dans les activités qu'on est en train de faire lors de la production de contenu, il y a une traçabilité. Donc, ce qui permet aux gouvernants de détecter toute traçabilité qui peut être liée à une fraude. Donc, ces services doivent être en outre déployés, non seulement au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des services financiers, au niveau de la douane et au niveau de la collectivité pour que le citoyen soit encore plus proche de lui-même. Maintenant, l'objectif global du backbone qui est derrière, c'est qu'il faut regarder un tout petit peu la Guinée à 7 pays frontaliers. La Côte d'Ivoire et le Mali sont frontaliers, le Sénégal à la Guinée. Donc, on prétend et on veut être dans le futur, être comme un hub technologique à partir des bretelles qu'on pourra, en fibre optique, qu'on pourra envoyer vers ces différents pays.
pour faciliter la connectivité au niveau régional. Donc, si je peux citer tant d'autres, hein, donc ça c'est au niveau uniquement, je disais tantôt, au niveau de la production du contenu. Maintenant, en ce qui concerne aussi l'environnement réglementaire et juridique, il est tout à fait normal, comme quand vous circulez sur une voie routière, d'avoir les points de contrôle par la police, d'avoir des carrefours qui doivent être contrôlés ou bien des panneaux de signalisation pour que vous fassiez attention tout en respectant le code de route. Il est tout à fait normal que dans le système de réseau, le trafic de l'information fait sujet à beaucoup d'appellations, parmi lesquelles on a voté la loi sur la cybersécurité et la criminalité, la protection des données à caractère personnel. Nous avons aussi promulgué la loi relative à la transaction électronique. Nous avons aussi, depuis 2015, la loi 018 relative aux télécommunications en République de Guinée. Et ensuite, vous avez la loi qui est relative aussi au code postal pour le transport des voyages et à travers non seulement le pays, mais aussi sur le plan international. Il y a le Ghana qui, l'année dernière, a envoyé, je sais pas, une centaine de cadres pour essayer d'aller à l'étranger pour aller faire la formation. Il y a le cas, par exemple, du Nigeria, où le gouvernement a considérablement investi pour essayer de promouvoir la gouvernance électronique au niveau de l'administration. Aujourd'hui, le président a la possibilité de rentrer en contact directement avec n'importe quel ministre de son administration pour échanger un document de façon numérique sans pouvoir se déplacer. Et ces informations sont systématiquement enregistrées et archivées. Voilà, par exemple, l'un des atouts qu'il ne faut pas négliger. Merci. Merci beaucoup. Madame Wala Turki, vous voulez partager également les illustrations sur ce que vous avez pu identifier justement comme projet et stratégie qui ont fonctionné? Donc, au niveau de la Tunisie, on a travaillé sur un certain nombre de projets, commençant par l'infrastructure. Oui, bien évidemment, au niveau de l'infrastructure, on a mis en place tout ce qui est réseau de très haut débit, donc tout ce qui est infrastructure fibre optique, et qu'on est en train de plus en plus la propager au niveau du pays, parce qu'on est convaincu que pour pouvoir développer des services spécialement contenant un fort contenu, on doit avoir de très hauts débits au niveau de tout le pays. Tout ce qui est 4G également, le 4G au niveau du pays. Tout ce qui est zone blanche également. On a travaillé sur un projet relatif à la zone, aux zones blanches et à desservir ces zones par les différentes technologies qui pourraient s'offrir au niveau de ces zones-là. Nous travaillons également au niveau du ministère pour une stratégie de 5G également pour le futur. Et on est convaincu qu'on doit, à part ce qui a été développé, on doit développer davantage la partie infrastructure. Et d'ailleurs, un certain nombre de réseaux au niveau d'administration qui sont déjà interconnectés entre eux à travers la fibre, etc. Ça, c'est côté infrastructure. Côté partie e-gov, si je me permets de le dire, il y a aussi un certain nombre de projets qui ont été mis en place et qui sont en train d'être étendus au fur et à mesure dans le temps, spécialement tout ce qui est interopérabilité entre les systèmes de l'administration, parce que c'est important d'avoir nos bases de données, nos informations, etc. Mais le plus important, c'est que les administrations peuvent s'échanger entre eux, que ça soit transparent par rapport aux citoyens. Le citoyen, face à lui, il va avoir l'administration. C'est indépendamment de quelle administration il s'agit, que ce soit ministère 1, 2, 3 ou 4. C'est les ministères qui vont s'échanger entre eux et qui vont donner l'information par rapport aux citoyens. Et je m'explique ici et je vais donner l'exemple, par exemple, d'un certain nombre de services qui ont été mis en ligne en exploitant, par exemple, l'extrait de naissance. Extrait de naissance qui est un service du ministère des Affaires locales et qui est hébergé au niveau du Centre national informatique qui est sous tutelle du ministère des Technologies. C'est un service qui est donné aux différents ministères, entre autres aux caisses
aux caisses de sécurité sociale, entre autres ministères de l'éducation. Maintenant, au niveau de la Tunisie, le ministère de l'éducation a mis en place, par exemple, le service d'inscription en ligne, de telle manière que tous les élèves et étudiants, d'ailleurs, s'enregistrent en ligne d'une façon transactionnelle, sans donner la moindre paperasse par rapport à cette inscription. Et même le paiement des frais d'inscription se fait d'une manière en ligne, et même en utilisant tout ce qui est mobile payment. Donc là, c'est quelque part, on essaie de faire tout ce qui est inclusion sociale, que ce soit digital ou financière au niveau du pays, à travers de petites manipulées populations, je suis même de le dire, parce que ce type de service est très important. Pourquoi j'ai cité ce service? Parce que c'est important, il touche toutes les familles pratiquement au niveau de la Tunisie. C'est à travers de petites pratiques comme ça qu'on est en train d'inculquer ces usages du digital. Parce que avoir la technologie, c'est important, mais transformer tout ce qui est usage, tout ce qui est process aussi, c'est le plus important. Et on essaie de passer plutôt, on essaie de ne pas être plutôt des consommateurs, mais des créateurs de valeurs et de services par rapport au digital. J'ajouterai aussi tout ce qui est identifiant unique citoyen aussi. Et on a mis en place identifiant unique citoyen au niveau du pays. C'est un identifiant qui permet d'identifier le citoyen indépendamment du service qu'il va utiliser. Et là, c'est important par la suite de mettre à niveau tout ce qui est base de données. Parce qu'on parlait depuis tout à l'heure par rapport à tout ce qui est infrastructure, mais aussi les données maintenant sont très importantes de structurer les données et d'exploiter les données. Parce qu'on a vécu ces derniers temps l'importance d'avoir les données, de pouvoir donner tout ce qui est prédiction par rapport, utiliser ces données pour faire de la prédiction, spécialement par rapport à la santé, par rapport à l'économie aussi, par rapport à tout ce qui est politique publique d'une manière générale. Et ça, ça va permettre de quelque part accélérer l'avancement de nos États. C'est ça l'importance de la donnée, comment utiliser cette donnée-là pour pouvoir par la suite arrêter des décisions importantes par rapport à nos pays. Ça d'un côté. Aussi, quand on parle de données, on va parler de tout ce qui est cybersécurité et comment protéger ces données. Et là, c'est très important de protéger ces données-là par rapport à l'administration et aussi pour donner confiance à l'utilisateur, pour donner confiance aux citoyens pour l'utilisation de tous ces services que je viens de citer. Et là, au niveau de la Tunisie, on a mis en place la politique nationale de la cybersécurité qui a été publiée il y a 3 ou 4 ans. Et un plan d'exécution par rapport à cette politique de sécurité a été mis en place et a été décliné en un certain nombre de projets qui concernent plusieurs ministères. Et au niveau de notre ministère, on chapeaute une commission qui émane du Conseil stratégique de la sûreté nationale et qui s'occupe de ces projets-là, de la coordination avec les différents ministères. Il y a la partie aussi très importante que je viens de citer tout à l'heure, tout ce qui est paiement en ligne des différentes factures. C'est très important de mettre en place un cadre par rapport à ça et d'accélérer l'usage, tout ce qui est paiement électronique, parce que à part la facilité par rapport à l'utilisateur et aux citoyens, c'est en plus une manière de bonne gouvernance aussi. D'ailleurs, la digitalisation, d'une manière générale, c'est une manière de bonne gouvernance au niveau de nos États. Ça permet de minimiser tout ce qui est fraude, tout ce qui est aussi avoir les statistiques plus exactes, avoir des chiffres plus exacts, etc. Et un point aussi très important, tout ce qui est formation par rapport au digital et l'utilisation du digital. Donc, au niveau de notre nouvelle stratégie, nous avons tout un axe par rapport à ça et tout ce qui est formation du citoyen. Parce que c'est vrai, on utilise tout ce qui est réseaux sociaux, comme on vient de dire tout à l'heure, nous tous. Donc, on utilise tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est ordinateur, etc. Mais on devrait
former davantage le citoyen pour remédier à tout ce qui est, à tout ce qui est résistance au changement au niveau des administrations ou au niveau de l'utilisation de tout ce qui est services en ligne. C'est important de, que la formation, d'une manière générale, inclut la partie digitale au niveau des cursus. Reste le cadre réglementaire aussi, qui est très important pour donner la main, par exemple, pour tout ce qui est paiement, pour tout ce qui est échange de données d'une façon électronique et preuve juridique, etc. Donc, c'est important de mettre en place un cadre juridique par rapport à ça, pour que le monde virtuel soit équivalent quelque part par rapport au monde réel en termes d'utilisation et de pièces juridiques. Tout ça, c'est en plein expansion aussi ici au niveau de la Tunisie. Il y a un certain nombre de travaux, mais d'autres travaux qui sont en train d'être mis en place, spécialement par rapport à cette accélération de la transformation digitale que je qualifierais de... Enfin, c'est les projets les plus importants qui vont nous permettre de donner enfin plus de confort par rapport aux citoyens et beaucoup plus par rapport à l'administration aussi. Et j'ajoute un dernier point pour ne pas accaparer la parole aussi. Il faut aussi repenser au niveau de nos États et de notre continent, repenser le modèle économique par rapport au projet d'une manière générale, en relation avec tout ce qui est transformation digitale. C'est un point très important aussi, c'est-à-dire mettre en place des services, mais repenser aussi le modèle économique par rapport à ces services à mettre en place, donner plus de valeur, etc., et assurer quelque part les équilibres des administrations en relation avec ces services. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Vous avez expliqué la nécessité d'inclure le citoyen, de le mettre au cœur du projet e-gouvernance. Et on a évoqué aussi la formation, alors plutôt sur les jeunes populations et la nécessité de démocratiser ces usages. Est-ce que, et j'adresse cette question à l'ensemble des panélistes, il y a quand même des populations qui se retrouvent dans des situations un petit peu compliquées, un petit peu spécifiques. Comment justement on amène ces populations-là également à ne pas être exclues de l'accès au digital et quel programme vous avez pu voir dans ce domaine-là? Je pense là à nos anciens, donc les personnes âgées, pour qui ça peut être parfois compliqué de faire ce gap et cette formation sur l'innovation, mais également les personnes en état de handicap, pour lesquelles ça peut être là aussi compliqué. Comment on adapte l'accès de ces services e-gov à ces populations fragiles? Qui souhaite nous apporter son éclairage? Oui, c'est avec plaisir que je prends la parole. Je voudrais d'abord dire avant, quel que soit ce qu'on va faire, tout le monde ne sera pas digitalisé, entre guillemets. C'est-à-dire que, quels que soient les outils qu'on va développer, tout le monde ne va pas l'utiliser. Donc, il ne faudrait pas s'attendre à avoir 100% de citoyens qui passent numérique pour avoir accès aux services. Mais cependant, ce que nous devons envisager, c'est comment est-ce qu'il faudrait atteindre le maximum de personnes, hein, surtout les personnes qui sont dans les zones les plus reculées et qui ont des difficultés d'accès sur le plan infrastructure, aussi sur le plan moyen financier également. Moi, j'ai eu la chance de diriger l'Agence des technologies de l'information et de la communication du Mali pendant 6 ans, et qui a pour mission essentielle de moderniser l'administration publique. Mais je peux vous assurer que nous avons, dans un premier temps, envisagé, pour avoir une vision globale, des services de l'État, de comment est-ce que l'État doit pouvoir adresser les services aux citoyens. Parce que l'administré, il doit être rapproché de son administration le plus possible. Et donc, nous avons développé un intranet de l'administration, c'est-à-dire un réseau permettant de connecter plus de 100 services de l'État entre eux, et aussi nous avons développé des solutions pour
totalement gérer les dépenses publiques. Aujourd'hui, il est impossible au Mali d'engager une dépense publique sans passer par une plateforme électronique. Et donc ça, il y a des acteurs du numérique qu'on peut obliger et qu'on oblige à utiliser le numérique pour avoir accès à un certain nombre de services ou bien pour rendre un certain nombre de services. Et par contre, il y a des populations qui ont aussi besoin d'assistance. D'abord, quand nous prenons nos pays où le Mali, vous savez, c'est le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est à plus d'1 240 000 km² et vous avez plus des deux tiers du territoire qui sont pratiquement pas occupés ou très peu occupés. Vous avez des zones rurales où vous avez des problèmes d'accès au réseau Internet et même à la téléphonie simplement 2G. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit par rapport, par exemple, à l'agriculture, parce que nous sommes un pays qui a une forte, qui a un fort engagement au niveau agricole, et nous avons organisé plutôt des coopératives au niveau agriculture, au niveau des zones rurales. Et ces coopératives-là, on a formé des jeunes qui permettent à ces coopératives leurs produits de pouvoir les intégrer dans des plateformes et les commercialiser à distance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de populations, tout le monde ne pourra pas le faire, mais nous pouvons également organiser les gens en petits groupes et les assister par des jeunes qui ont la maîtrise de l'outil et qui pourront être au service de ces coopératives-là. Donc, ça crée de l'emploi, des initiatives, et ça permet de connecter les zones les plus reculées et de mettre fin ou de réduire vraiment la fracture numérique au niveau de ces zones rurales. Alors, au niveau de l'administration de façon générale, par contre, là, on doit obliger tout le monde à faire usage du numérique pour la simple raison que les ressources de nos pays ne sont pas suffisantes pour pouvoir non seulement faire face aux besoins des populations. Si vous prenez aujourd'hui, je prends l'exemple sur le Mali, vous prenez au niveau de l'éducation, de l'enseignement de façon générale, vous avez la plupart des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'école à faute de l'insécurité. Vous savez quelle situation aujourd'hui le Mali traverse à cause du terrorisme, et beaucoup d'écoles ont été fermées, à cause du djihadisme plutôt, beaucoup d'écoles ont été fermées. Beaucoup de zones n'ont pas suffisamment d'infrastructures pour pouvoir accueillir les élèves ou les étudiants qu'il faut. Et donc, la seule alternative pour nous, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse favoriser l'enseignement à distance. Et c'est pour ça que nous avons développé des plateformes pour ces jeunes-là qui leur permettent de pouvoir profiter le maximum possible pour avoir accès au contenu éducatif et se former pour avoir les mêmes chances de compétir que les enfants qui sont dans les grandes villes et surtout au niveau de la capitale. Donc, vous voyez, de façon globale, il y a des choses à faire parce que pour nos pays, ce n'est toujours pas évident. Les moyens sont insuffisants pour pouvoir mettre les infrastructures qu'il faut parce que, vous savez, lorsqu'on parle de numérique, les infrastructures, les investissements dans le domaine, dans le secteur du numérique sont énormes. Alors, nous sommes en train de mettre en place une politique publique-privée pour qu'on donne la possibilité aux jeunes de développer des services et de vivre de ces services-là. Donc, nous créons aujourd'hui des conditions facilitant vraiment l'épanouissement, favorisant le développement exponentiel de l'écosystème du numérique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État est en train d'investir pour créer un centre d'excellence TIC que nous appelons Complexe numérique de Bamako. Ce centre d'excellence TIC, il est exclusivement dédié à l'incubation, c'est-à-dire au développement des jeunes pousses, mais aussi à l'entrepreneuriat numérique. C'est-à-dire que l'État crée les conditions pour pouvoir financer et soutenir les initiatives du numérique. L'avantage, c'est quoi? Parce que, comme je dis, nous avons fait une évaluation. Pendant des années, on a essayé de voir, il faut d'abord poser, comme si on veut construire une maison. On va faire le plan chez l'architecte, après on fait le soubassement, la fondation, et ensuite on fait les élévations, on va
et puis jusqu'à finaliser, comme on appelle, la maison et l'équiper. Le numérique, ce n'est pas comme ça que ça marche, justement. C'est une grosse erreur que nous avons commise parce que nous pensions que, à l'image d'une maison, que le numérique doit se construire. Non, le numérique peut se construire du toit au soubassement, à la fondation, justement, parce que nous avons l'Internet et parce qu'il faut offrir des solutions, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, selon les besoins simplement des populations. En ce moment-là, le cadre juridique viendra. En ce moment, les solutions de sauvegarde, de sécurité viendront. Et ce sera seulement de cette façon que nous pouvons accélérer vraiment la pénétration des services et solutions numériques auprès de nos populations. Merci. Merci beaucoup. Adnan, vous vouliez rajouter un éclairage? Oui, oui, en fait, je voudrais juste donner mon avis sur cette question-là parce que moi, fondamentalement, je pense à la politique des étapes. On ne peut pas tout faire dès le début, d'accord? Donc, il faudra faire une stratégie basée sur des étapes. Et les étapes peuvent être définies suivant ou bien un repère temporel ou par région ou par classe, B2B, par rapport au B2C. On peut commencer, par exemple, par digitaliser les services publics destinés aux entreprises, aux professionnels, etc. Par exemple, en termes de taxation, de fiscalité, de services pour les entreprises, et ensuite à s'agrandir petit à petit. D'accord ? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que l'État doit fournir des efforts pour éduquer et pour former la population à l'usage du digital. Mais c'est un travail très coûteux et très épineux. Enfin, je pense qu'il y a des initiatives, que ce soit associatives ou au niveau de l'État, pour le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'écosystème devient mature petit à petit, il y a une transmission de savoir qui se fait indirectement à travers les citoyens entre eux. D'accord ? Donc, si on oblige graduellement les gens à utiliser, entre guillemets, oblige, hein, mais motivé et obligé parce qu'il y a les deux leviers pour le faire. Donc, pour que graduellement, les gens vont adopter ça et après, ça va rentrer dans les mœurs des gens. Il y a une transmission de savoir qui va se faire. Mais ça n'empêche qu'entre-temps aussi, il y a un complément d'efforts qui doit être fait par le gouvernement à travers des centres de formation, mais d'aide, d'accompagnement, etc., pour la population la moins avertie par rapport à cet outil-là. Donc ça, c'est du point de vue usage. Du point de vue infrastructure, je pense que ça a été mentionné tout à l'heure, par exemple, pour le cas des zones blanches, le gouvernement doit faire aussi tous les efforts nécessaires pour couvrir les zones qui ne sont pas commercialement rentables pour les opérateurs télécoms, parce qu'en fin de compte, l'infrastructure des TIC dans un pays, elle est construite par des opérateurs télécoms qui sont, à la plupart des cas, privés. Ils ne sont plus étatiques. On le voit à travers des grands groupes comme Orange, Ooredoo, Vodafone, Telefonica ou même d'autres investisseurs. D'accord ? Donc, du coup, ce n'est pas toujours commercialement rentable. Du coup, il y a des compléments qui doivent être faits par le gouvernement, ce qu'on appelle les zones blanches. Donc, il y a des efforts à faire de ce côté-là pour donner l'équité d'accès tout court au digital, avant d'avoir le service. Ensuite, il y a aussi des efforts à faire au niveau du device avec lequel on va accéder au service. Parce qu'on peut être couvert par un réseau télécom ou avoir de la fibre à côté, mais si on n'a pas le bon device pour y accéder, que ce soit un laptop, une tablette ou un téléphone, on ne peut pas utiliser le digital. Donc là aussi, il faut étudier selon le cas, quel est le meilleur moyen de booster ça. Que ce soit de migration des téléphones normaux vers les smartphones ou en termes de taxation de ces outils-là ou de subventions, etc. Donc, c'est des scénarios, en fait, il y a des scénarios, des sous-scénarios aussi, dans lesquels il y a le gouvernement qui doit faire des choses, il y a le volet associatif qui doit faire des choses, mais aussi l'écosystème lui-même qui doit venir à maturité petit à petit pour que la transmission de savoir se fasse naturellement. Et je pense que le plus gros effort, c'est de voir où est-ce qu'on commence, qui va dynamiser plus rapidement cette transformation-là pour que les choses
on doit chercher en quelque sorte une locomotive qui va ramener avec elle tout l'écosystème. Donc, et c'est là où vraiment réside le cœur de la stratégie du gouvernement pour la transformation digitale, c'est identifier ces locomotives, que ce soit dans le secteur public, secteur privé et écosystème, pour que les choses puissent aller naturellement. Et encore une fois, le trend, il est mondial, c'est le rythme qui change d'un pays à un autre. Et la bonne stratégie, c'est de trouver la bonne locomotive qui va accélérer le rythme. C'est tout. Je voudrais, si vous me permettez, ajouter quelque chose à ce que vient de dire Anna. Je pense que ce que vous venez de dire aussi en conclusion est très, très important. En fait, il faut qu'il y ait une symphonie, il faut qu'on danse ensemble. C'est ça. Si le rythme n'est pas cadencé à la même période, il y aura un déphasage. Et ceux qui resteront à la traînée ne pourront plus rattraper le retard, parce qu'au fait, c'est une question de génération. Il faut qu'on le sache. Mais pour revenir, par contre, à la question de savoir qu'il y a une certaine couche vulnérable qui n'est pas, disons, alphabétisée, non seulement de façon numérique ou bien de façon lettrée, il faut faire en sorte que nous puissions inclure ces gens dans l'évolution ou dans la profitabilité que génère le numérique. Alors, en Guinée, nous avons essayé de mettre sur place les access points Internet. Ça, c'est dans les proximités où il y a une concentration de la population, notamment des étudiants, ou ceux qui sont en train d'étudier ou bien qui sont en phase de terminer leurs études. On a mis les access points Internet pour permettre aux gens d'accéder à l'Internet de façon gratuite, lié tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de payer le coût. Donc, voilà une manière comment on peut faire pour essayer de faciliter la tâche aux gens pour accéder à l'Internet. Les zones blanches ou le dernier kilomètre. En Guinée, on a créé une agence qu'on appelle ANSITEN, Agence nationale du service universel des technologies de l'information et du numérique, de l'innovation numérique. L'objectif de cette agence est uniquement, il s'agit de distribuer sur l'étendue du territoire national les revenus qui sont récoltés par les opérateurs téléphoniques pour essayer de faciliter la couverture sur le territoire national. Maintenant, pour scinder les deux services, on a créé et le service, l'Agence nationale du service universel, mais il y a aussi une nouvelle agence qui est l'Agence nationale de digitalisation de l'État, ANDE. Donc, cette agence a uniquement pour objectif de digitaliser tous les services au niveau administration, à commencer par les paiements électroniques qui peuvent se faire par la déclaration des impôts à travers en ligne, les e-taxes qui sont payées, la formation en ligne au niveau des étudiants de la médecine et la télémédecine qui est aussi élaborée au niveau de certains départements médicaux. Donc, voilà en quelque sorte. Maintenant, qu'est-ce qu'il a lieu qu'il faut rajouter? Je prends l'exemple sur ma grand-mère. J'avoue aujourd'hui qu'elle a 89 ans. Elle ne sait pas de quoi nous parlons de la technologie. Mais à chaque fin du mois, vu que moi je travaille dans la capitale, elle reçoit l'une de mes sources de revenus que je l'envoie chaque fin du mois. Elle ne sait pas, peut-être maintenant elle n'entend pas assez bien, mais on a mis son téléphone sous vibreur. Quand son téléphone vibre, elle sait systématiquement, parce qu'elle s'est suspendue à son cou, qu'elle a reçu un message. Elle permet d'approcher quelqu'un qui est à côté, qui lui lit le message. Si c'est un transfert d'argent, elle peut rentrer systématiquement en contact avec son argent. Voilà une manière d'inclure, si vous voulez, une population ou une partie, une frange de la population vulnérable. L'autre aspect, on est en train de développer des applications au niveau, à l'époque, c'était l'Agence nationale de la gouvernance électronique et l'informatique de l'État, où on a mis des images. Parce que la lecture du numérique ne veut pas dire seulement que c'est l'écriture réelle ou textuelle. On peut transposer des images. La photo de la pomme peut indiquer la pomme à quelqu'un. La mangue peut indiquer la pomme, ou la pomme de terre peut indiquer la pomme de terre à quelqu'un. Donc, ces applications sont en train d'être développées
pour essayer d'inclure de façon systématique la couche non alphabétisée. Parce que l'objectif essentiel du gouvernement, il ne s'agit pas de prendre les privilégiés. Il faut prendre de haut en bas, mais aussi de bas en haut, pour que celui qui se trouve à 800 km de la capitale, ou bien 1000 et quelques kilomètres de la capitale, puisse avoir le même service que celui qui se trouve à 200 mètres de la capitale. C'est ça l'intérêt. Donc, comme ça, le gouvernement central a la possibilité d'administrer non seulement au niveau central, mais aussi au niveau des collectivités et au niveau décentralisé. Donc, ce que vous étiez en train de dire, qu'il faut qu'il y ait un rythme de cadence, cela voudrait dire qu'on doit avoir tous un même regard de vue vers lequel on doit aller, mais on ne peut pas aller suivant les directions disparates. Si vous prenez le cas de l'Afrique aujourd'hui, globalement, nous sommes plus de 509 000 internautes qui utilisent l'Internet. Voilà une niche potentielle et qui est très, très importante pour les MNO, c'est-à-dire pour les opérateurs du monde mobile ou de la téléphonie mobile. Donc, si le gouvernement n'arrive pas, disons, à fédérer certains services privés, les opérateurs téléphoniques sont en avance par rapport au niveau de la couverture nationale et internationale. Et l'interco entre les différents opérateurs pour échanger les services peut faciliter la tâche non seulement aux administrés, à l'administration centrale, mais aussi à la couche vulnérable. Merci de votre attention. Je voudrais juste peut-être ajouter un dernier point que j'allais oublier. C'est par rapport à la mise en place, on était en train de discuter ça récemment, le passage des systèmes informatiques vers, on est actuellement à la liaison XP V4, la version 4 de XP, il faut essayer de passer à la XP V6. On a constaté que pratiquement, si nous restons sur le domaine de XP V4, le nombre d'adressages qui est donné par les machines est pratiquement à 4 milliards et quelques. Donc, ce que l'Union internationale des télécommunications avait proposé alors en 2018, il s'agissait d'encourager les pays et les nations à migrer vers le XPv6 qui permet d'avoir une plage illimitée en matière d'adressage IP. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Innocent Nezaimana, vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais partager le cas du Sénégal. Bien évidemment, en matière justement d'inclusion sociale par rapport à ces services digitalisés. Donc, le Sénégal, à travers le programme Smart Sénégal, a conduit 5 projets. Le premier projet, c'est en rapport avec la sécurité, donc Safe City, les villes sûres, où nous avons déployé des caméras de surveillance et des centres de commandement pour les forces de défense et de sécurité. Et le câble sous-marin, on vient de recevoir un câble sous-marin, et e-education, où nous avons équipé les établissements d'enseignement supérieur, en tout cas d'enseignement en équipement informatique, et puis le Wi-Fi public. Nous avons donc déployé à différents points dans tout le pays, les points de rencontre de plusieurs personnes, les grands publics, les établissements scolaires, le Wi-Fi public gratuit. Et le dernier projet sur lequel je vais insister, c'est Smart Territoire. Smart Territoire, c'est un projet qui nous a permis de construire dans chaque département du Sénégal un centre qu'on a dénommé Sénégal Service, qui en quelque sorte est un guichet unique. Un guichet unique physique, mais qui utilise celui virtuel. Je m'explique. Donc, en ligne, nous avons un portail qui est senegalservice.sn qui documente toutes les procédures administratives de l'administration. Au sein de l'administration, plus de 750 procédures. Donc, la première chose, d'abord, il fallait mettre à la disposition vraiment des citoyens ces informations-là sur les procédures. Ensuite,
Les différentes plateformes au niveau de l'administration qui gèrent les procédures dématérialisées sont connectées à ce portail-là. Et donc, le citoyen, s'il entre s'il explore en tout cas une procédure donnée, il a la possibilité de dérouler la procédure si la procédure est dématérialisée. Donc, c'est disponible en ligne, et la version mobile également. Et ça constitue en tout cas un moyen pour les citoyens de pouvoir dérouler leur procédure à la maison. Ils peuvent s'adresser directement aux administrations, directement, ou bien s'adresser à 16 espaces Sénégal Service. Dans 16 espaces Sénégal Service, nous avons concentré les services, que ce soit digitalisés ou pas. Donc cela, comme c'est tout près, bien évidemment, de la population, dans un département dont c'est vraiment relativement près de la population, celui qui ne peut pas utiliser donc, l'outil informatique peut se déplacer et aller dans ces espaces, et ce sont les agents qui sont affectés à ces espaces-là qui vont l'aider à dérouler la procédure sur place. Et celui qui peut le faire chez soi, le faire en ligne, il peut déposer donc un dossier d'une démarche dans ces espaces Sénégal Service, et puis les agents de l'espace Sénégal Service vont faire la démarche pour la personne et puis l'envoyer soit directement chez le demandeur ou le demandeur vient le récupérer au niveau des espaces. Donc ça, c'est vraiment un moyen qui nous a permis de nous rapprocher de la population, et on est en train d'y déployer plusieurs services. Et aujourd'hui, nous avons démarré avec les services de l'état civil, mais l'objectif, c'est vraiment d'y mettre beaucoup plus de services qui sont digitalisés. L'autre aspect que je voudrais signaler, c'est que au niveau aussi de ces espaces Sénégal Service, nous allons délivrer un service qui vise à former surtout les jeunes, hein, les jeunes qui sont souvent, qui veulent vraiment utiliser l'outil informatique, mais peut-être qui n'ont pas les moyens. On va commencer par les jeunes et ensuite les femmes et les autres vont suivre. Mais vraiment essayer de nous rapprocher de la population et surtout en matière de dispenser ces formations à l'utilisation de l'outil et également les formations dans d'autres domaines, mais aussi je voudrais signaler qu'en fait la formation aussi dans le domaine de l'informatique, ça va être délivré dans ces espaces-là. Mais sans oublier aussi les agents de l'administration. Il est bon, bien évidemment, de digitaliser les services, mais il faut aussi sensibiliser, former, accompagner les agents de l'administration. Donc, à travers ces espaces, nous avons initié les formations des agents de l'État en matière de la qualité de service. Parce que tout commence par là. Il faut que les agents, en fait, changent aussi de mentalité pour se préparer à utiliser les outils informatiques. Donc, si on a des services digitalisés et que on les utilise pas vraiment ayant derrière cette qualité de service public, ça ne sert à rien. Donc, nous travaillons vraiment sur le capital humain, surtout les agents de l'administration, à travers ces espaces Sénégal Service, pour vraiment les sensibiliser, les former, les accompagner sur la qualité du service public. Voilà ce que je voudrais donc partager pour le Sénégal en matière de l'inclusion sociale par rapport à ces services digitalisés. Merci. Merci beaucoup. Je souhaitais revenir, si vous en êtes d'accord, avec cette idée tout à l'heure de trouver la locomotive qui permette de concilier les intérêts des différents acteurs pour aboutir finalement à une mise en œuvre efficace et cohérente.
être les modalités et est-ce que justement on pourrait être aujourd'hui force de recommandation un petit peu autour de ces sujets-là, soyons fous, puisque nous avons l'opportunité d'échanger ensemble. Est-ce que, parce que d'écouter nos différentes interventions, je comprends quand même qu'il y a des points de divergence entre les différents acteurs, mais aussi, et heureusement, des points de convergence. Est-ce qu'une politique efficace dans la définition d'une feuille de route n'est-elle pas d'arriver finalement à créer un environnement? Alors, en juridique, on parle de bac à sable, de sandbox dans lesquels on peut tester à périmètre fermé, dans lesquels le régulateur bancaire et financier, par exemple, va échanger au plus près avec les acteurs du terrain et se permettre de tenter des expérimentations. Est-ce que, justement, pour la mise en place de feuilles de route e-gov, est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme un peu similaire à mettre en place entre les politiques, l'administration, les usagers, pour qui finalement on va proposer des services, les opérateurs télécoms, les fournisseurs technologiques, les infrastructures, arriver à trouver une modalité ou des modalités d'échange et de réflexion commune sur des cas d'usage très concrets pour justement pouvoir peut-être plus rapidement ou plus efficacement adresser ces sujets-là. Alors, je sais, la question n'est pas évidente. Est-ce que quelqu'un va tenter d'y répondre? On réfléchit, on est entre nous. Vous pouvez la répéter une fois encore? Oui, parce que on disait donc la feuille de route de la digitalisation, ce qu'on doit avoir un sponsor au plus haut niveau, qui va justement permettre de se doter des moyens et de mettre les bonnes personnes autour de la table pour arriver à développer les prérequis nécessaires au développement d'un service gouvernemental digital, ou à une fonctionnalité d'ailleurs de ce service, peut-être une fonctionnalité très concrète. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs privés, les usagers de ces services-là, les fournisseurs technologiques, sont suffisamment impliqués dans ces échanges en amont pour permettre finalement aux politiques et à l'administration de définir une feuille de route qui prenne en compte toutes ces incidences et ces implications opérationnelles permettant d'en faciliter à terme le développement. Oui, bon, je me jette à l'eau, vous me permettez. Alors, à mon avis, c'est indispensable. Hein, lorsque on veut vraiment mettre en place quelque chose de durable, il faut une vision politique. Et la vision politique, elle doit être portée dans tous les pays du monde par la première autorité du pays. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire nous allons dématérialiser les finances publiques si le premier patron du pays ne le porte pas. Et ainsi de suite, hein, au niveau du gouvernement, il faut que ça soit porté. Mais de façon générale, je pense que dans la plupart de nos pays, lorsqu'on élabore des stratégies ou des politiques nationales de développement du numérique, l'ensemble des acteurs sont associés en effet. Mais c'est la mise en œuvre aujourd'hui de ces politiques-là qui pose énormément de soucis parce que le numérique, il est très coûteux pour nos pays. Maintenant, ce qui serait possible, à mon avis, de faire, c'est de voir comment est-ce que les différents gouvernements vont accepter de jouer simplement le rôle de régulateur, hein, dans la mise en place des infrastructures et des solutions digitales.
Parce que quand vous regardez aujourd'hui, prenez le cas de l'état civil. Si vous décidez de dématérialiser totalement l'état civil dans un pays comme le Mali, et que vous demandez au gouvernement du Mali aujourd'hui, en cette période de crise sociopolitique qui dure depuis plus de 10 ans, d'investir dans cela, évidemment, ça ne serait pas la priorité. Parce que la priorité, c'est comment sécuriser le territoire, c'est comment sécuriser les populations, comment sécuriser les biens. Et donc, si l'État n'a pas les moyens de le faire, il faudrait que les États acceptent de travailler avec des entreprises privées et de jouer le rôle de gendarme, simplement. Et cela va accélérer le processus de développement. Nous avons beaucoup d'entreprises privées qui ont la possibilité d'installer des réseaux, d'étendre la connectivité à l'ensemble du territoire, de participer à la sécurisation et de participer au développement de contenu et de former, de renforcer le capital humain et d'amener l'administration à la population en créant des guichets uniques, en créant des solutions sur mesure pour différents secteurs. Mais toutes ces choses-là, en vérité, ne sont pas définies dans une feuille de route portée par nos politiques. C'est ce qui rend véritablement la chose compliquée. Donc, si nous devrons, de façon globale, aller vers un développement accéléré, comme je l'ai dit, il faudrait associer pleinement et totalement le privé, les entreprises privées, et leur donner les moyens d'investir, leur faciliter les conditions d'investissement et aussi de permettre à ce que le retour sur l'investissement soit le plus rapidement possible pour que ces entreprises aujourd'hui ne pourront pas y faire face à la couverture totale de nos pays et encore moins à la fourniture de solutions efficaces et efficientes aujourd'hui. Je vous remercie. Je vais talonner mon frère le Malien, M. Adnan, si vous me permettez. Je pense tout de même qu'il a déjà dit l'essentiel. On ne peut pas promouvoir aucune politique technologique dans un pays sans l'implication au plus haut niveau des autorités de l'administration. C'est obligatoire. Et maintenant, ce qui est important qu'il faut rester derrière, c'est qu'il faut développer une politique de partenariat public-privé. Faire en sorte que l'État ait son compte, mais que le privé aussi ait son compte. Pour le cas guinéen, par exemple, je peux vous donner, je vous parlais du RMC, c'est le réseau métropolitain de Conakry, qui interconnecte 36 départements ministériels et quelques directions, et qu'on compte étaler à l'étendue du territoire du pays. Mais ce qui est important, c'est que l'infrastructure est élaborée par une agence gouvernementale. Mais par contre, le service d'accès Internet, la fourniture d'accès Internet est effectuée par un privé. Donc, que fait l'État? L'État est grossiste. Il a amené la bande passante jusqu'au sous-marin, jusqu'au niveau de l'atterrissage du câble sous-marin. Et la partie accès Internet est commercialisée par les sociétés privées sur place. Donc, cela permet d'élaborer une politique de partenariat public-privé entre l'État et cette société privée qui dessert l'accès Internet à l'État. Ça, c'est un exemple. L'autre aspect qui est derrière, qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'au niveau de la couverture nationale, actuellement, nous n'avons pas, par exemple, une société de téléphonie nationale. Adnan le disait tantôt. Les privés, ce sont des dragons. Ils ont fini d'absorber presque tout sur place et actuellement, ils couvrent le territoire national. Donc, il y a des zones blanches ou des zones qui ne sont pas atteintes ou le dernier kilomètre. Mais aujourd'hui, ces zones-là se trouvent couvertes par les sociétés de téléphonie mobile. Donc, que doit faire l'État lorsqu'il y a un service à fournir à ce niveau? Il faut systématiquement passer par les réseaux de téléphonie mobile pour atteindre, par exemple, une femme qui est enceinte, qui doit suivre, par exemple, son processus de vaccination à travers un hôpital qui est donné quelque part. C'est très, très important.
Donc, voilà en quelque sorte la meilleure manière d'évoluer en synergie pour atteindre la convergence technologique tant souhaitée et par le privé et par le public. La politique de pénétration, la politique d'installation et du développement des sociétés privées ne peuvent en réalité être facilitées que par les gouvernements et en premier lieu par les vrais décideurs, pas n'importe qui. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Adnan Ben Halima. Oui, je voudrais juste rajouter quelques mots par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je rejoins mes collègues. Une feuille de route globale est très importante et un modèle de gouvernance avec une priorisation à très haut niveau, elle est primordiale pour définir la stratégie et la ligne directrice. Parce que ce travail-là, c'est une collaboration entre public et privé, ça d'une part. Et même au sein du gouvernement, même au sein du public, le digital est le socle ou l'outil qui est en transverse par rapport à tous les métiers. D'accord ? On le trouve chez le ministère de la Finance, que ce soit en termes de fiscalité ou paiement mobile, chez la santé, la logistique, l'éducation, etc. D'accord ? Donc, il faudra aussi avoir une synchronisation par rapport à tout ça. Aussi, en termes technologiques, ce n'est pas seulement l'infrastructure. L'infrastructure, c'est déjà la connectivité et les centres de données, mais pas que ça. Il y a aussi toute la couche applicative qui doit fournir le service vers le client final et la partie contenu. Donc, vous voyez, c'est un écosystème global qui doit progresser harmonieusement pour atteindre un objectif bien précis dans un repère dans le temps. D'accord ? Donc, franchement, ce n'est pas une tâche facile à gérer au niveau d'un État, parce que déjà, on parle de digitalisation au niveau des entreprises qui peinent à avancer dans certains cas. Les entreprises qui ont une taille beaucoup plus réduite que des gouvernements, avec des employés ou avec une population assez consciente et assez formée dans ces outils-là, mais malgré ça, il y a des difficultés. Que dirons-nous à l'échelle d'un État ? C'est pour ça que je dis que faut vraiment avoir un sponsoring à très haut niveau pour pousser, pour trouver les meilleurs leviers pour obliger et motiver. Parce que finalement, c'est comme ça que ça marche à tous les niveaux. Donc, motivation et obligation, d'accord ? Et du coup, ça rentre dans une vue globale, une feuille de route globale pour y arriver. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que vraiment, là où ça marchait, c'est grâce à ça. Là où ça ne marche pas, c'est lorsqu'on délègue, on dit voilà, à un ministère, faites la digitalisation et donnez-moi des résultats. Ça ne marche pas du tout. Merci beaucoup. Madame Ouellet, vous confirmez vous aussi effectivement cette nécessité d'implication sur la feuille de route des différents ministères, d'une impulsion politique, d'une volonté pour arriver à faire les choses, à faire bouger les choses de manière plus rapide et plus efficace. Justement, tout projet de transformation digitale devrait être piloté ou plutôt sponsorisé par la plus haute hiérarchie, ça c'est sûr. Mais depuis tout à l'heure, on parlait de l'écosystème. Tout l'écosystème devrait être là par rapport à tout ce qui est stratégie et feuille de route également. D'ailleurs, au niveau de la Tunisie, depuis un certain nombre d'années, avant de publier notre stratégie digitale, on réunit d'une manière générale tous les acteurs, que ce soit les acteurs du secteur public, du secteur privé, les start-up, etc., pour finaliser cette stratégie et pour prioriser les projets à mettre en place, parce que c'est des projets à mettre en place au niveau de la société et tout le monde devrait être impliqué par rapport à ces projets pour réussir ces projets, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis un certain nombre d'années. Plus que ça, avant de lancer des projets qui touchent un certain nombre de citoyens, surtout un grand nombre de citoyens, et par rapport à des services essentiels, c'est très important d'impliquer les différents acteurs depuis le début. Également, parfois, il faut mettre en place des stratégies disruptives par rapport à tout ce qui est démarche traditionnelle par rapport
par rapport à un certain nombre de services, parfois pour couper avec tout ce qui est traditionnel, tout en encourageant, bien évidemment, comme bien venait de dire M. Aradnen lors de son intervention par rapport à ça. Mais c'est très important, en tout cas, d'avoir tout l'écosystème avec nous. D'ailleurs, aussi, il faut penser également à tout ce qui est événement de vie. On parle événement de vie par rapport aux citoyens, c'est-à-dire le citoyen au centre de ces services-là, et comment remoduler ou mettre en place un nouveau process lorsqu'on digitalise un service. C'est-à-dire on se met à la place du citoyen et on essaie d'optimiser son parcours par rapport à ces nouveaux services. Donc, sans trop accaparer la parole, donc, je confirme par rapport à votre question. Voilà. Et donc, justement, quand on teste là, le parcours du citoyen, est-ce que vous avez recours justement à des panels de citoyens de différentes régions, de différents âges, en test d'usage dans l'élaboration de la définition de ces parcours clients? Ou est-ce que c'est encore plutôt géré par les équipes en charge de la digitalisation? Comment cet échange, ce dialogue avec l'écosystème est maintenu dans la durée et pas uniquement au moment de la définition de la stratégie? Il y a la partie définition de stratégie, il y a par la suite la mise en place de cette stratégie à travers un certain nombre de projets. On est d'accord là-dessus. Donc, à partir du moment qu'on va mettre en place un projet qui touche un certain nombre de citoyens, c'est important d'inclure les différentes parties prenantes, donc par rapport à les différentes parties prenantes et leur ajout par rapport à ce service, et bien évidemment par la suite par rapport aux citoyens. Ça pourrait être à travers des questionnaires, par rapport à travers des événements, à travers des responsables par rapport à ce service qui vont interagir avec les bénéficiaires de ces services. Les citoyens, je veux dire, ils seront bénéficiaires de ce service pour sa mise en place. Ça pourrait être aussi considéré après la mise en place du service pour optimiser ce service, optimiser par rapport à son fonctionnement, par rapport aux attentes du citoyen. Donc, ça pourrait être révisé au fur et à mesure. Et c'est très important aussi ne pas mettre en place dès le début le service, et le service c'est bon, mais c'est bien de l'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, essayer de maintenir dans la durée ces échanges réguliers, entre les différents intervenants, j'ai voulu aller trop vite dans ma phrase. Et alors, on a une question sur la digitalisation. Donc, on nous dit, et finalement, est-ce que certains actes ne pourraient pas être automatisés via l'application de Smart Contract? Allez, hop, un Smart Contract, donc programme informatique enregistré sur la blockchain déclenche le paiement de mes indemnités de travail. Un Smart Contract certifie le diplôme qui m'a été délivré par une université. Est-ce qu'on y réfléchit? Est-ce qu'on en est là déjà? Comment ces nouveaux usages autour de la technologie, des technologies blockchain, sont aujourd'hui envisagés sur le continent? Qui se lance? Permettez-moi de me lancer, innocent. Je vous en prie. Oui. En tout cas, c'est une très bonne question et qui s'adresse vraiment à tout le monde, hein, les usagers et nous-mêmes les acteurs. Et aujourd'hui, il y a les technologies que l'on pense que c'est pour les pays étrangers et c'est pas vraiment pour l'Afrique. C'est une erreur grave. Non seulement il y a au niveau local les jeunes, je dis les jeunes, déjà vraiment qui maîtrisent ces technologies, et qui ont développé même des solutions, soit chez eux, soit dans leurs entreprises, mais qui ont du mal à les déployer
pour les privés, à les déployer pour les administrations parce qu'on ne les écoute pas. Mais si on essaie d'organiser en tout cas des séances de démonstration, échanger avec ces jeunes et puis faire les POC dans certains domaines, je pense qu'on peut dénicher pas mal de technologies qui sont vraiment avec eux et qui ne sont pas utilisées. Je donne l'exemple au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons lancé un projet, effectivement, basé sur la blockchain, sur l'authentification des documents, mais dans un domaine de l'état civil. Donc, nous avons restreint, nous n'avons pas voulu lancer sur l'ensemble de tous les documents administratifs. On a voulu vraiment prendre un périmètre maîtrisé, non seulement pour prouver que c'est possible, parce qu'on a tout ce qu'il faut autour, les technologies, la législation, même le positionnement de Sénégal numérique. Et là, quand même, on a une position vraiment privilégiée, je dirais, comme bras technique de l'administration. Donc, si on croit à ce que les startups font sur le plan technologique, et puis on peut vraiment les déployer dans l'administration très facilement. Donc nous avons aujourd'hui pris en tout cas ce périmètre sur les papiers de l'état civil avec quelques mairies. Nous sommes en train d'y travailler et d'ici peu, en tout cas, on va lancer la délivrance de certains documents aussi, de certains documents de l'état civil à travers notre système basé sur la blockchain. C'est un projet qui implique quand même plusieurs niveaux de discussion parce qu'il faut, rassurer sur le plan technologique que tout est OK. Ensuite, aller sur le terrain, les gens qui vont produire, les autorités qui vont produire ces documents, c'est-à-dire en tout cas tous les nœuds qui sont dans le réseau de la blockchain, ils doivent être sensibilisés, ils doivent comprendre les enjeux et les enjeux vraiment de l'évolution même vers cette manière de travailler. Et vraiment, ce n'est pas chose facile, mais c'est possible. C'est possible. Il ne faut pas surtout y aller vraiment en grande échelle. On y va petit à petit. Et je pense qu'avec le premier pas, on peut en faire mieux. Merci. Merci. Et dans ce cadre-là, évidemment, nécessité d'adapter les réglementations pour inclure la dématérialisation via registre distribué et donc la technologie blockchain dans ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport aux réglementations sur la cybersécurité, sur la protection des données et sur la preuve, puisque in fine, lorsqu'on digitalise un acte, un certificat, il faut qu'il puisse avoir une valeur probatoire à faire prétendre ses droits et donc pour ce faire, une évolution aussi de la réglementation de ce point de vue-là. Alors, oui, je vous en prie, Innocent. J'étais en train de regarder en même temps les questions, mais je vous laisse... Oui, non, je voudrais signaler qu'en tout cas, toute la semaine juridique est disponible pour vraiment encadrer ça. Ce qui peut manquer, ça peut être résolu en peu de temps, mais les grandes directives, les grands textes en tout cas qui pourraient encadrer le domaine, tous ces textes-là existent dans la plupart même des pays. Maintenant, il suffit tout simplement de voir ce qui manque vraiment, ça ne pourrait pas empêcher quand même d'aller vers la technologie, l'utilisation de la technologie blockchain dans l'administration. Merci. Alors, dans les questions justement par rapport au développement de l'accès aux services digitaux par les populations, on a évoqué tout à l'heure la question des zones blanches et les incitations financières à mettre en place vis-à-vis des acteurs privés
pour aider à couvrir ces zones blanches et à proposer des services. Et donc, dans les intervenants, nous avons une question spécifique, cette fois-ci côté usager, qui nous indique finalement que ça représente quand même un coût pour les populations de s'équiper, le coût de l'abonnement Internet, le coût d'achat, d'acquisition du téléphone mobile. Est-ce que là aussi, il y aurait ou il pourrait y avoir dans certains cas des incitations? Comment, pour ces populations-là, leur permettre d'accéder à des tarifs supportables à l'accès aux services digitales? Bon, je vais essayer de répondre à cela. Il ne faut pas perdre de vue le coût dispendieux de la technologie. C'est très, très important. Au départ, nous étions en train de parler d'une gouvernance traditionnelle. Et puis, pour passer à un mode de livraison des services traditionnels, alors, il fallait échanger beaucoup de papiers, de documents entre les administrés et l'administration de façon globale. Il fallait obligatoirement avoir un contact physique entre les gens. Il fallait se déplacer, soit déplacer un véhicule ou prendre un véhicule pour aller rendre service ou aller faire quelque chose. Tout cela nécessite les moyens. Aujourd'hui, la ligne de vue, la ligne de mire des gouvernements, c'est de faire en sorte de quitter cette méthode traditionnelle-là pour passer à une méthode électronique. Alors, qui parle d'électronique, en réalité, parle de la technologie. Et cette technologie a un coût. Donc, lorsque vous avez ces différents services qui sont là, qui ont un coût, et que vous voulez atteindre la population cible, il faut avoir des moyens de connexion. On disait tantôt que les particuliers qui sont les opérateurs ou les privés qui travaillent dans le domaine de la couverture au niveau national, ils font de l'investissement en installant les panneaux. Ils recrutent les gens, ils forment les gens, ils font de l'investissement. Des fois même avec des risques, parce qu'ils peuvent le faire dans certains pays, et puis après un an, deux ans après, il y a des guerres. Donc aujourd'hui, la réponse à cette question, il faut dire que la technologie a un prix. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte de vulgariser non seulement la technologie en réduisant les prix, en faisant en sorte d'épauler les sociétés privées, mais aussi les acteurs dans le domaine. Donc il va être très, très difficile avec tous les problèmes auxquels l'Afrique, de façon globale, est confrontée, parce que de façon générale, on a les mêmes problèmes, de pouvoir minimiser les coûts à un taux très, très inférieur, parce que l'investisseur n'investit pas pour perdre en réalité. Il investit pour gagner. Mais les gouvernements, le cas spécifique de la Guinée, fournit quand même un effort très considérable par rapport à l'amélioration des services qualité, par rapport au déploiement des systèmes de technologie à l'intérieur du pays. Mais il devient très, très difficile. Ce qui peut être soutenu, c'est qu'on fait en sorte que les universitaires aient la facilité pour se connecter sur l'accès Internet. On fait en sorte que les zones blanches soient couvertes par l'accès Internet, sans lequel on ne peut pas parler de gouvernance électronique. Mais la technologie demeure et a un coût. Merci de l'attention. Merci beaucoup. Quand on parle de services de l'administration, est-ce que la confiance se pose de la même manière si on parle du paiement de ces factures, de ces impôts, de sa taxation, que de la digitalisation de son identité? Est-ce que aujourd'hui, la culture digitale au sein de l'administration et au sein des populations, des citoyens, est suffisante pour créer et assurer la confiance des usagers dans ces services,
ou au contraire, est-ce qu'il y a encore, suivant la nature des services qui sont digitalisés, des efforts importants à faire pour rassurer les populations? Je réponds affirmatif. Pour quelle raison? La traçabilité ou le lien qui existe entre l'administré et l'administrateur, c'est que c'est le lien de mentorat et du mentoré. Le mentoré, c'est celui qui, en réalité, doit profiter des services du mentorat. Alors, ce qui est important qu'il ne faut pas oublier derrière, c'est de faire en sorte d'augmenter l'indice de maturité en utilisation des technologies de l'information et la communication. Si les gens sont formés, si les usagers de la technologie de l'information et de la communication sont bien formés, ils connaissent les risques qu'ils ont en mettant certaines informations sur les réseaux publics, ils sont sensibilisés par rapport à leurs données à caractère personnel, ils sont sensibilisés à ne pas donner toutes les informations qu'ils ont sur eux de façon aléatoire. Je pense qu'il y a déjà un pont qui est franchi à ce niveau. Donc, aujourd'hui, l'État guinéen, depuis 2014, a instauré le système qu'on appelle, on a profité de la Journée internationale des télécommunications qui est célébrée le plus souvent le 17 mai, on a instauré la culture de l'entrepreneuriat numérique. L'entrepreneuriat numérique, c'est une occasion où les gens passent dans les départements ministériels. C'est co-organisé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, par le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Culture, le ministère des Postes et Télécommunications et de l'Économie numérique. À cette occasion, on organise un groupe de personnes qui sont sorties de ces différents départements, qui vont dans les universités, qui vont dans l'administration centrale, qui organisent des conférences dans les grandes salles où on profite pour faire la formation de masse. Quand on dit formation de masse, on ne les forme pas pour devenir des techniciens, on ne les forme pas pour devenir des ingénieurs. Au contraire, on attire leur attention sur les services qui peuvent être rendus par les technologies de l'information et les méthodes et les stratégies à adapter lorsqu'on veut utiliser un lien ou lorsqu'on veut aller sur ces réseaux qui sont devenus aujourd'hui prépondérants dans notre vie. Donc, lorsque l'agent ou le citoyen administré a toutes les informations systématiquement, il va s'établir une règle de confiance entre l'usager des services de l'Internet ou de la gouvernance et celui de l'administration centrale. Donc aujourd'hui, le travail clé doit être ça. Il faut essayer d'expliquer les gens, de les expliquer clairement, même s'il y a des problématiques, qu'ils peuvent être encadrés par des lois, qu'ils peuvent être encadrés par les lois contre la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, qu'ils peuvent être soutenus par des lois comme la transaction électronique, ils peuvent être soutenus par les lois comme le transfert des données d'un site à un autre. Parallèlement, pour faciliter tout ce travail, je vais faire un crochet de l'autre côté, il y a, pour éviter l'externalisation de ces données, de ces informations, la plupart des États se battent aujourd'hui à faire en sorte que les informations soient au niveau national. L'État guinéen est parvenu à mettre pratiquement 3 data centers qui sont à l'intérieur du pays et qui sont dans la capitale et on aura la possibilité de stocker des informations dessus pour éventuellement une question d'archivage et d'accessibilité. Merci. Alors, je voudrais juste rebondir sur, rajouter quelque chose, c'est que la confiance, ça se gagne à fur et à mesure. Hein, d'accord. Donc, c'est vrai que déjà, il y a un capital de confiance préétabli entre administrateurs et administrés, entre gouvernement et citoyens, mais dans cette transition du monde réel vers le monde digital, si j'ose dire, il y a des prérequis, il y a des choses, il y a des bases qu'on doit mettre en place pour continuer à assurer cette confiance. C'est la cybersécurité, c'est la protection des données, c'est l'aspect réglementaire et la transparence. D'accord. Donc, le capital de confiance existe déjà. Enfin, je pense qu'entre citoyens et gouvernement, les choses voilà, diffèrent d'un pays à l'autre, mais globalement, ce lien-là existe. Personne ne conteste
avoir ces informations sur papier dans une archive, dans un ministère. Enfin, personne n'y pense. Mais par contre, maintenant, pour le passage au monde virtuel, cette question peut se poser, mais elle peut être résolue très rapidement lorsqu'on met en place tous les mécanismes nécessaires. Donc, du coup, ça aussi, c'est des leviers très importants qui viennent en annexe par rapport à cette transformation digitale. C'est des piliers même de la transformation digitale de façon générale. D'accord ? Alors, Cathy, je m'excuserai parce que je dois partir dans une réunion à 15 heures. Je suis vraiment navré de voir vous quitter. Je vous remercie énormément. Je remercie mes chers collègues panélistes pour cette discussion très riche. Je pense qu'on aurait pu encore discuter pendant une heure ou deux encore, parce que c'est vraiment très intéressant. Mais malheureusement, je vais vous quitter et je m'en excuse. Et merci encore une fois à Digital Africa Expo pour l'invitation. Voilà, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Adnan Benhamila. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Effectivement, nous débordons un tout petit peu. mais c'est la richesse du débat. Je vous remercie de vous être rendu disponible et merci pour la qualité de vos interventions et ce débat qui est très ouvert et je pense très intéressant pour nos auditeurs. Ahmed Salif Camara, vous vouliez ajouter un élément. Merci beaucoup. Oui, je voudrais justement aborder dans le même sens que Adnan parce qu'en fait, vous savez, le numérique, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous développez des services qui répondent aux besoins des gens. Vous n'avez pas besoin de faire du marketing. Vous n'avez pas besoin de prendre du tam-tam, du tambour pour convaincre les gens, pour dire qu'ils sont en sécurité, pour les convaincre que leurs données, personne n'y a accès. Il faut simplement développer des services et des outils qui amènera la confiance ou la confiance s'amènera elle-même. C'est ce que j'ai dit. J'ai pris l'exemple sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et puis WhatsApp, TikTok. Aujourd'hui, on n'a pas reçu de marketing. Hein. Ce sont des utilisateurs qui font la promotion des outils parce que ces outils répondent à leurs besoins. Donc, si nous voulons que nos administrations puissent développer des services qui prennent en charge les besoins de la population, et évidemment, la population elle aura confiance à ces outils. Lorsque je fais une demande de casier judiciaire ou de certificat de nationalité et que ma requête est traitée dans un bref délai, contrairement au fait que je me déplace, moi, pour aller dans un tribunal pour faire ma requête physiquement, si je vois qu'en le faisant en ligne, je gagne 10 fois moins de temps et encore, j'économise de l'argent, et que j'ai une meilleure qualité de service, évidemment, j'aurai confiance à cet outil-là. Et donc, je n'aurai pas besoin de pouvoir être convaincu parce que je fais la requête et je suis satisfait. Et de la même manière que d'autres services que l'on met en ligne aujourd'hui au bénéfice des populations. Donc, pour pouvoir y arriver, il y a quand même un certain nombre d'investissements que les États doivent faire, c'est-à-dire que l'administration doit être le plus proche des administrés et en tenant compte, évidemment, que, comme vous l'avez dit, que tout le monde n'a pas accès à l'outil et que ceux qui ont accès ne peuvent pas faire leurs démarches administratives de façon efficace. Et donc, il faut créer des environnements, des espaces numériques que d'autres appellent guichet unique, d'autres appellent, que le Sénégal appelle Sénégal Service. Et donc, il faut créer ces espaces-là pour permettre aux populations dans chaque quartier, aux personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à l'outil ou qui n'ont pas les outils nécessaires pour faire les requêtes ou qui ne savent pas simplement comment adresser une requête électronique, donc qu'ils puissent avoir accès à ces espaces-là pour formaliser leurs requêtes et qu'à la fin, qu'ils fassent moins de va-et-vient que comme s'ils venaient dans une administration classique. Qu'après avoir introduit une requête de démarche administrative, qu'à la fin, qu'ils reçoivent leurs documents dans leur boîte aux lettres à partir de chez eux, donc sans pour autant faire le suivi nécessaire, et que ce traitement-là se fasse le plus vite possible. Voilà, c'est le seul moyen aujourd'hui qui va amener la confiance. Ce n'est pas en essayant d'amener les arsenaux juridiques, comme je l'ai dit, en disant non, on va vous protéger, ou après, quand quelqu'un va voir qu'il fait des consultations médicales en ligne,
par exemple, et qu'un fonctionnaire a accès à son dossier médical, qu'il n'a pas de notification comme quoi quelqu'un a eu accès à son dossier médical sans autorisation, évidemment qu'il puisse poursuivre cette personne et que cette personne puisse être sanctionnée, évidemment, il aura confiance parce qu'il y a justement des mesures qui sont prises pour lutter contre les accès frauduleux hein, aux documents des personnes. Ce n'est pas parce qu'on a sauvegardé, on a sécurisé. Non, c'est justement les gens ne veulent pas que je ne veux pas que vous sachiez, Cathy, que j'ai eu mal à la tête, que j'ai consulté un médecin, et, ou alors que j'ai une pathologie et j'essaie de cacher et que vous puissiez vous avoir accès. Et donc, ce sont des choses que l'on doit interdire. Et lorsque un agent de l'État a accès, que cet agent-là soit sanctionné. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays, beaucoup de pays. Hein. Vous partez en Estonie aujourd'hui, des policiers ont été radiés de la police pour avoir eu accès, pour s'être introduit dans la base de données de certains citoyens. Parce qu'il y a justement ce mécanisme d'information, de droit à l'information des populations. Parce que tout ce que l'on fait, on le fait pour nos populations. Et ils devraient être au cœur de nos réflexions et nous devons savoir que nous sommes à leur service. Et le meilleur moyen de les amener, de mieux les servir, c'est qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sachent que nous, tout ce que nous faisons, c'est de leur apporter une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant clôturer ce débat. Je vous remercie, chers panélistes, pour vos interventions. Je ne sais pas si vous aviez encore l'un ou l'autre une précision que vous souhaitiez partager avec nous. Si c'est le cas, je vous donne la parole tout de suite. Nous avons évoqué beaucoup de sujets. Très bien. Donc, je vous remercie très chaleureusement, M. Ahmed Salif Camara, Mme Wala Turki, M. Mamadi Keita, M. Adnan Ben Naglima qui nous a quittés il y a quelques instants et M. Innocent Nizei Mana. Merci beaucoup, chers panélistes, Madame, Messieurs, pour la qualité des échanges sans langue de bois. Les illustrations que vous avez accepté de partager avec nous, j'ai été ravie d'échanger avec vous sur ces sujets-là. On aura tiré en conclusion, et je reprendrai, je ferai mienne cette citation qui était de dire qu'effectivement, avec l'IGOV, avec la digitalisation, il ne faut pas oublier qu'on remet le citoyen au cœur de nos préoccupations. Je trouve que ça clôture très bien l'ensemble de notre débat autour duquel on a régulièrement rappelé cette notion de service, service public, service administratif et nécessité d'inclusion et de mieux servir et connaître ses citoyens. Merci à tous. Merci à Africa Digital Expo de nous avoir invités à échanger ensemble autour de ces questions ô combien importantes. Et j'aurai grand plaisir à vous retrouver à l'occasion d'autres séminaires autour de ces questions de digitalisation en Afrique. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous aussi. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.